Mon cher François, j'espère que tu vas bien là où tu es. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Je m'appelle Richard et j'étais un de ces comédiens cancres dans les 400 coups. Pour te plaire et réussir le casting, je t'avais raconté en faisant mille gestes une histoire stupide pour mieux t'impressionner. L'histoire de ma nièce qui s'était enfoncé une épine dans le pied, l'hôpital, tout ça. J'avais acheté de nouveaux souliers et mis un beau gilet pour l'occasion. Ah oui, on ne dit plus ça, maintenant. On dit shoes, basket, doudoune. Même vers les 400 coups, ça ne se dit plus. Va savoir pourquoi. Les temps ont bien changé. Tu m'avais trouvé drôle et tu m'avais choisi pour jouer le cancre du premier rang. Je déteste toujours écrire et je fais toujours autant de fautes. Mais il y a des correcteurs automatiques maintenant. Et je suis toujours aussi maladroit. Moi, les mots, je préfère les mimer. Et je t'avoue que l'invention des SMS m'arrange beaucoup. Ah, SMS, c'est un truc pour faire court, mais trop long à t'expliquer. Je suis bien vieux à présent, mais je ne t'ai pas oublié parce que, je dois bien te l'avouer, tu as changé ma vie. Tu m'as donné le goût des pitreries, j'en ai fait mon métier. Faire rire les enfants. Je suis clown. Un vieux clown à présent. Si tu voyais avec les mêmes yeux que moi, tu verrais que le Paris que tu connaissais et que tu aimais tant a bien changé. Un attentat, tu imagines? Mais Paris, la France et le monde entier ensemble dans un élan de solidarité, ça c'était beau. Le monde t'a écrit la plus belle scène de cinéma. Du haut de tes étoiles, est-ce que tu as pu voir cette foule digne et silencieuse comme si elle voulait avancer vers des jours meilleurs? Tu aurais marché avec nous, j'en suis sûr, et caméra au point. Un décor naturel géant, toi qui aimais tant les décors naturels. Et tout ce monde, un casting de rêve. Tu en aurais fait un film, j'en suis sûr, et tu l'aurais appelé « Liberté ». Porte-toi bien, mon ami. Richard. PS, j'avais besoin de t'écrire. Mon seul souci, je n'ai plus ton adresse. Mais ai-je besoin d'une adresse ?